Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warzone. Donc je vais vous présenter un glitch qui se trouve au niveau de l'hôpital qui va vous permettre de vous cacher dans le bâtiment. Et donc ben, vous serez invisible aux ennemis et vous serez invisible aussi aux zombies. Du coup, ben, dans les deux cas, vous pourrez tuer les deux, les ennemis et les zombies. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc je suis en compagnie de Féro et Typique et c'est avec eux que je vais faire le glitch. Donc pour faire le glitch, vous allez devoir mettre le bouclier balistique. Par contre, si vous le faites, donc là on va être en pillage, donc en pillage vous l'avez directement. Par contre, si vous le trouver en game et que vous êtes en game de Warzone, vous pouvez également le faire. Donc ce sera un peu plus compliqué de le trouver et ensuite de faire le glitch. Mais sinon, c'est comme ça que vous devez faire. Donc, direction l'hôpital. Il y a Féro et Tipeee qui vont chercher chacun un quad, histoire qu'on ait toujours un quad au cas où. Et je vais vous montrer où vous devez passer. Je vais anticiper leur arrivée, je vais ouvrir des portes. Donc, le premier endroit, c'est ici. Donc, là où il y a l'ascenseur, vous allez coller votre bouclier contre le truc. Donc, reculez un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le poser. Donc voilà, une fois que c'est posé, vous allez attendre que le quad ben, arrive. Vous allez vous mettre bien au milieu. Enfin, attention les gars, il y a des ennemis. Hein. Donc là, quand vous avez le quad qui est ici, la personne qui va prendre le quad, elle va lever sur vous. Vous allez vous mettre bien au milieu et vous allez avancer et escalader quand le quad arrive sur vous. Vas-y. Ça n'a pas marché, on va le remettre. Vas-y. Donc voilà. Quand vous êtes là, bah maintenant, vous voyez tout partout. Et vous êtes à l'intérieur. Vous êtes invisible aux ennemis. Invisible aux zombies. Donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut tuer des gens. Vous êtes dans le faux plafond en fait du... Le faux plafond de l'hôpital. Vous pouvez aller à peu près quasiment partout. Hein. Tout ce qui est. Par contre, si vous tombez en bas, bah après vous pouvez mourir. Regarde, il y a les zombies, ils sont là au chiot. Oh, les gars, arrêtez. Hein. Non. Ah voilà. Ouah, je suis tombé sous la map. Donc là, vous allez poser votre bouclier contre le mur ici. Voilà, une fois que vous l'avez posé, hop, il va venir pareil, vas-y. Non, vas-y, pose le tien. Par contre, il faudrait que tu sois plus près quand tu lèves. Vas-y. Voilà, je suis rentré. Parfait, les gars. Tu vois, c'est vraiment à la fin que tu avances et que tu montes.
Vraiment à la fin, frérot. Non, mais là, tu l'as peut-être mis trop loin, le bouclier, non? Ouais, tu l'as. Attends, on va voir. Ah ouais, non, mais toi, déjà, tu le fais trop tard. Et en plus, le bouclier, faut vraiment le mettre proche. Attends, j'ai posé le lien. Ok. Ramène le code. Tiens. Attends, hein. Il est où le mec? Ah, il est au-dessus. Ok. Ok, il est mort, il est mort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc c'est un glitch plutôt pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. Après, il sera compliqué de le faire en Warzone normal. Mais bon, c'est à Activision de le patcher rapidement parce que parce qu'il est quand même assez facile à faire. Donc, beaucoup de personnes peuvent le faire. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir le bouclier. Mais en pillage, vous l'avez en illimité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, activer la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt sur le jeu.